Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en février qui ne sont que au nombre de 3. Voilà, donc mon record de janvier s'est épuisé avec février puisque je me suis relâchée. Il faut dire qu'en février j'ai plutôt regardé des séries, chose que vous avez pu voir sur ma chaîne principale dans ma toute dernière vidéo série puisque j'ai découvert beaucoup de séries et du coup je me suis plus concentrée là-dessus que sur les livres. En fait, j'ai l'impression que j'ai un mois avec série, un mois avec livre, un mois avec série, etc. Voilà, donc ce mois-ci, c'était plutôt série, comme vous l'aurez compris. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Elana, donc du tome 1, Le Pacte des Marches Sombres, du fameux Pierre Bottero. Alors forcément, cette lecture, j'en avais entendu beaucoup, beaucoup parler par tout le monde. Et un jour, mon copain m'en a parlé en disant qu'il avait adoré la saga lorsqu'il était plus jeune et du coup il me l'a acheté pour que je le lise et que je vois si ça me plaît, voilà. Donc je l'ai lu parce que c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Alors forcément c'est un peu ado, c'est même totalement ado, très fantastique. Donc parlons déjà de l'histoire. Donc l'histoire c'est Elana, une toute petite fille de 5 ans au tout début du roman, qui est cachée dans un endroit par ses parents parce qu'il y a une sorte de guerre. Ensuite elle grandit dans le monde des tout petits, il me semble. Donc voilà, donc elle forcément elle est beaucoup plus grande qu'eux, vu que ce sont des créatures très petites et voilà, dans une sorte de forêt. Jusqu'à ses 13 ans elle vit là-bas et à ses 13 ans elle décide de partir à la recherche de ses parents biologiques. Et elle va faire la découverte de plein de gens différents, elle va partir en voyage avec eux pendant plusieurs mois. Pour trouver ses parents. Ensuite elle va tomber sur un homme assez bizarre qui lui dit qu'il est marche ombre et qui va l'entraîner dur pour être marche ombre. Mais c'est quoi être marche ombre? En gros c'est quelqu'un qui vit pour la liberté et pour les bonnes mœurs, si j'ai bien compris. Pour moi ça n'était pas clair du tout. Donc voilà, elle va avoir un entraînement intensif avec un autre jeune homme un peu plus vieux qu'elle. Il va se passer des trucs, voilà. Compliqué de résumer ce livre là, je pense qu'il faut attendre d'avoir lu l'intégralité de la saga pour avoir une idée un peu plus précise. J'ai bien aimé mais je n'ai pas été non plus transcendée, en plus c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans donc j'en ai quasiment 10 de plus donc forcément ça ne me parle pas trop et je pense qu'il y a un âge pour tout, voilà, moi pour moi l'âge de lire du fantastique ado je pense est révolu à part pour Phobos, voilà. Le second livre que j'ai lu, il s'agit du Dîner de Hermann Koch. J'avais déjà lu un livre de l'auteur l'an dernier ou il y a 2 ans avec Villa avec piscine que j'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai mon article en barre d'infos. D'ailleurs tous les livres dont je parle ici, j'ai fait des articles, donc ils seront tous en barre d'infos. De toute façon, vous commencez à connaître. Donc j'avais beaucoup aimé ce livre aussi. Pourquoi? Parce que le pitch était assez original vu qu'il s'agissait d'une rencontre entre deux frères autour d'un repas pour parler d'une violence commise par leurs fils respectifs. Donc en gros ils évitent le sujet jusqu'au dessert, donc apéritif, entrée, plat, dessert, voilà. Donc ça tourne vraiment autour de ce dîner là, d'où le titre. Et voilà, le personnage principal qui s'appelle Paul, donc le frère de l'autre homme qui s'appelle Serge, va découvrir que son fils a commis un acte vraiment fortement répréhensible et ça va vraiment tourner autour de ça, voilà. C'est assez drôle, il y a une partie assez humoristique même si je ne dirais pas que c'est la majorité, pas du tout. Il y a du tragique, voilà. C'est un livre assez proche de notre réalité, donc dans le réalisme complètement. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment intéressant et ça ne parle pas que du dîner parce que je me suis dit comment l'auteur va faire pendant 300 et quelques pages pour uniquement parler du dîner qui est en cours. Je me suis dit ça va être impossible, enfin pendant 300 pages, parler de genre 2-3 heures de la vie des personnages, ça va être très compliqué. Donc non, heureusement il y a des flashbacks, voilà, lorsque Paul, donc notre personnage principal, évoque l'enfance de son fils Michel, son adolescence, voilà, il y a des anecdotes où on réussit à mieux comprendre son fils, à mieux comprendre sa vie, voilà. Donc du coup c'est assez intéressant et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai acheté un autre roman de l'auteur. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Third Girl, donc la troisième fille de Agatha Christie que j'avais acheté à la fameuse
librairie Shakespeare and Company, qui est une librairie anglophone à Paris. J'adore cet endroit. D'ailleurs, je vous en parlais dans ma vidéo sur ma chaîne principale des 10 choses à faire à Paris, enfin des 10 choses que j'adore faire à Paris. Je vous la laisserai ici si ça vous intéresse. Et je nommais aller dans cette librairie-là qui propose uniquement des livres anglophones, étant donné que j'ai fait 2 ans d'anglais à la fac, que j'aime énormément la culture anglophone. Et forcément, je me suis acheté 2 livres, dont celui-ci. Il faut savoir que j'aime beaucoup Agatha Christie. Je vous en ai parlé dans mes livres lus en décembre, lorsque j'ai lu Le Crime de l'Orient Express, que j'ai adoré. Je souhaitais vraiment depuis relire des Agatha Christie, retourner dans les enquêtes de Hercule Poirot, écrites dans les années 1900, je trouve ça hyper intéressant. D'avoir un peu une ambiance différente de ce que je lis habituellement. Donc dans ce livre, Hercule Poirot prend son goûter tranquillement, il prend un chocolat chaud, même si vous voulez tout savoir, et il y a une jeune fille qui se pointe dans son bureau en disant qu'elle a commis un meurtre. Donc forcément, ça laisse Hercule Poirot pantois. Donc au début, il veut continuer de finir son goûter, sauf qu'il ne va pas vraiment avoir d'autre choix que d'aller enquêter là-dessus. Donc il va rencontrer le père de cette jeune fille qui s'appelle Andrew Restaric. Donc il faut savoir que cette jeune fille qui s'appelle Norma a perdu sa mère il y a 2 ans. Son père, donc Andrew, est parti habiter en Afrique du Sud lorsqu'elle était plus jeune avec sa nouvelle femme. Du coup, elle s'est retrouvée sans père pendant des années. Elle habite à Londres avec 2 autres jeunes femmes. Voilà, donc elle a une vie assez indépendante de femme libre. Et un jour, elle disparaît et surtout, elle s'était accusée elle-même d'un meurtre. Donc forcément, Hercule Poirot va trouver ça bizarre. Donc avec l'aide d'un médecin, d'une femme et de la famille Restaric, il va mener l'enquête. Voilà, est-ce que c'est vraiment elle qui a tué quelqu'un? Parce qu'on ne sait même pas qui est mort en fait, de qui elle s'accuse du meurtre. Donc voilà, c'est assez intéressant, j'ai bien compris quand même. L'anglais, ça n'a pas été un frein, j'ai tout de même mis assez longtemps à le lire. Parce que forcément, lorsque je lis en anglais, il faut que je me concentre beaucoup plus. Donc je lis moins vite. Donc parfois, j'ai moins hâte de reprendre le livre pour continuer ma lecture parce que je sais que je vais aller moins vite et ça me frustre un peu. Mais voilà, c'était tout de même une bonne lecture, une bonne enquête. Bien que pas la plus intéressante que j'ai lue, mais c'était tout de même vraiment intéressant et la fin est assez surprenante. Donc ça, c'est bien quand même, on a une bonne fin et une bonne chute. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Donc voilà, c'en est tout pour les trois petits livres que j'ai lus au mois de février. J'espère que cette vidéo vous a tout de même plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. À me dire en commentaire quelles sont vos lectures que vous avez faites récemment. À vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Je le dis souvent sur cette chaîne comme sur ma chaîne principale. Mais ça me fait hyper plaisir dans les deux cas. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !